On a tiré sur des chiens, pas par accident. De façon délibérée, on avait appelé ça Opération Scooby. Moi, je fais partie des gens qui aiment les chiens, alors forcément, ça m'a fait gamberger. La première fois, c'était juste une réaction instinctive. J'entends O'Leary crier nom de Dieu, et là, je vois ce chien marron squelettique, en train de laper du sang comme il boirait de l'eau dans un bol. C'est pas du sang américain, mais quand même, ce chien, il est là, en train de le laper. Je crois bien que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Après ça, la chasse au chien était ouverte. Sur le moment, vous n'y pensez pas. Ce que vous pensez, c'est qui est dans cette maison? Qu'est-ce qu'il a comme arme? Comment il va vous tuer, vous, vos copains? Vous progressez un pâté de maison après l'autre. Vous battez avec des fusils qui sont efficaces jusqu'à 150 mètres et vous tuez des gens pratiquement à vous portant dans un cube de béton. C'est après que vous réfléchissez, quand vous en laissez le temps. Vous savez, on ne passe pas comme ça d'un seul coup de la guerre au centre commercial de Jacksonville. Quand notre mission a touché à sa fin, ils nous ont expédié à TQ. Cette passe logistique au milieu du désert pour nous laisser décompresser un peu. C'est pas trop ce qu'il entendait par là, décompresser. On a supposé que ça voulait dire passer son temps à s'astiquer le manche dans les douches, à fumer cigarette sur cigarette et à jouer aux cartes. Ensuite, ils nous ont envoyés au Koweït et là, ils nous ont mis dans un avion de ligne pour rentrer au pays. Et vous vous retrouvez là, vous étiez dans une putain de zone de guerre où ça plaisantait pas. Et maintenant, vous êtes assis dans un fauteuil de luxe, le regard fixé sur une petite buse qui vous envoie de l'air climatisé. Et vous vous dites, c'est quoi ce bordel? Vous avez votre fusil entre les genoux comme tous les autres. Il y a des marines avec des pistolets M9, mais ils vous enlèvent votre baïonnette parce qu'on n'a pas le droit d'avoir un couteau dans un avion. Vous avez pris votre douche, mais vous avez quand même l'air crasseux et maigri. Tout le monde a les yeux caves et les pays sont dans un état lamentable. Vous êtes assis là et vous fermez les yeux et vous vous mettez à penser. Le problème, c'est que vos pensées ne vous viennent pas dans le bon ordre. Vous ne vous dites pas, bon, j'ai fait A et puis B et puis C et après D. Vous essayez de penser à chez vous et puis vous êtes dans la salle de torture. Vous renvoyez les morceaux de corps humains dans le placard et le débile mental dans la cage. Il criait comme un poulet. Sa tête était rétrécie, elle n'était plus grosse comme une noix de coco. Il vous faut un petit moment pour vous rappeler que vous avez entendu le docteur dire qu'il lui avait injecté du mercure dans le crâne. Mais même après ça, ça n'a toujours pas de sens. Vous renvoyez les choses que vous avez vues les fois où vous avez failli mourir. Le poste de télévision cassé, le cadavre de Hadji, et Colts couvert de sang, le lieutenant à la radio. Vous revoyez la petite fille, les photos que Curtis avait trouvées dans le tiroir d'un bureau, sur la première. Une belle petite Irakienne âgée de 7 ou 8 ans peut-être, les pieds nus. Elle porte une jolie robe blanche, comme sur sa première communion. Deuxième cliché, elle est en robe rouge et talons hauts et outrageusement maquillée. Photo suivante, même robe, mais son visage est tout barbouillé et elle tient un pistolet pointé sur sa tête. Je sais que vous pensez à d'autres choses, à ma femme Cheryl, par exemple. Elle a la peau pâle et des petits poils noirs et fins sur les bras. Elle en a honte, mais ils sont doux, délicats. Et penser à Cheryl me donnait un sentiment de culpabilité. Alors je passais au caporal Hernandez ou au caporal Chef Smith et Eichholz. On était comme des frères, Eichholz et moi. Tous les deux, un jour, on a sauvé la vie de ce marine. Quelques semaines plus tard, Eichholz grimpe par-dessus un mur et un surgé apparaît soudain à une fenêtre et lui tire dans le dos juste avant qu'il soit passé de l'autre côté. Alors je pense à tout ça et je revois le débile mental et la petite fille, le mur où est mort Eichholz. Seulement voilà, je pense aussi beaucoup, et veut dire vraiment beaucoup, à ces putains de chiens. Ces putains de chiens. Ces putains de chiens.